Donc je trouvais sympa de faire appel au financement participatif. Donc avec Mimosa, je trouvais sympa de créer une émulation au début du projet avec un groupe de personnes qui de soutien. Donc ça faisait chaud au cœur. Au début, c'est dur hein, de s'installer dans une zone qu'on ne connaît pas. Donc on a eu beaucoup de messages de soutien. Du coup, ça faisait déjà chaud au cœur. Après, on a reçu de l'argent. Donc ça faisait aussi chaud au cœur. Voilà. Donc il y a une, pour ma part, il y a une centaine de personnes qui ont donné. Alors il y a eu des contreparties. C'était un financement participatif avec contreparties. Donc c'est une chouette source de financement. Et les gens, les donateurs sont très heureux de donner et de participer. Et ça fait un joli début à la création d'une entreprise agricole. Quand on décide de s'installer en vente directe, naturellement, là où on a besoin de créer une clientèle, de créer un réseau, on a besoin d'un réseau, on a besoin d'une vision médiatique, on a besoin d'être vu. Et le fait de créer un financement participatif, de présenter son projet et d'être soutenu, déjà le démarrage d'une activité, le démarrage d'une petite vision locale au niveau des riverains, des futurs consommateurs. Il y a trois cercles. Premier cercle, la famille, les parents, naturellement. Après, le deuxième cercle, les amis des parents, les amis des amis et des amis. Et le troisième cercle, c'est les gens parfaitement inconnus. C'est toujours un peu comme ça que ça marche.